pour la défense de la langue française. Il est vrai, le président vient de le dire tantôt, je suis le représentant du Sénégal dans cette localité qui parle du Sénégal, parle de Léopold Sédar Senghor, notre premier président de la République et un des pères fondateurs de la francophonie avec Bourguiba et tant d'autres. Pour vous dire, l'esprit de la francophonie, c'était pas uniquement la promotion de la langue et des valeurs françaises, mais c'est aussi, c'était un espace de rencontre. Et d'ailleurs, c'est dans ce sens-là que Senghor et Bourguiba ont pensé mettre en place un espace de dialogue. D'ailleurs, Senghor disait, le 21e siècle, ça sera le siècle du donner et du recevoir. Donc, je pense que c'est l'esprit même de la francophonie. Et il est vrai que depuis un certain temps, au-delà des valeurs culturelles, l'espace francophone, qui est aujourd'hui plus de 400 millions de locuteurs, fait qu'il y a un contenu, maintenant c'est devenu un marché. Une dimension économique et il y a même une dimension développement durable. L'année dernière, avec UCL, donc il y a aussi des francophones qui sont réunis pour voir comment défendre la diversité, la conservation de la nature. Pour vous dire que la francophonie n'est pas que culturelle, n'est pas que économique, donc c'est au-delà de tout ça, donc c'est multidimensionnel. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, donc nous au Sénégal, la langue officielle c'est le français. Et je pense qu'on a eu pas mal d'écrivains, donc le Sénégal aussi est un pays d'écriture. Je pense que ça s'est traduit par le prix Goncourt hein, avec Bougane Sarr. Donc vous dire que vraiment c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui nous avons cette relation particulière avec la langue française. Sur Alain Dira. En personne. Voilà, et puis bon, ben, on se connaît bien, maintenant, ça fait un moment qu'on se suit. Et voilà, et donc Herve de Cannes, bien sûr. Peinture hypnotique, parce qu'en temps normal, elle bouge. On vous révélera comment elle s'appelle Talima, et elle est passée à The Voice. Je m'appelle Talima, il y a très longtemps, j'ai fait The Voice Kids, et je me présente devant vous aujourd'hui pour vous chanter deux chansons. Et je voudrais donc remercier la Maison de la Francophonie et aussi l'œuvre de Cannes de m'avoir permis de venir ici. Et aussi une petite spéciale dédicace au consul du Sénégal. Et je vais donc chanter deux chansons d'un artiste sénégalais qui se nomme Ismaël Lo, qui écrit souvent en français et aussi en sénégalais. Donc je vous laisse profiter.
par des femmes. Ben voilà, on a fait connaissance ici avec son papa. Bravo.
mais on va se revoir hein, très bientôt. On applaudit très très fort. Une voix sublime. Merci. À bientôt. Ah oui, je vous laisse prendre une photo. Et donc, si il y a une fête de la francophonie qui s'organise à Marseille, c'est tout un devoir pour moi d'être avec vous, non seulement vous encourager, mais vous dire aussi c'est ça l'esprit du Sénégal, l'esprit de la teranga. Et d'ailleurs, Senghor disait que le mot teranga, c'est un mot polysémique. Ça veut dire beaucoup de choses, l'hospitalité, l'accueil, l'ouverture. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus partager avec vous et dire que notre avenir dépend de notre capacité à avoir ces ouvertures. Malheureusement, nous sommes dans un tournant historique. Il y a du repli sur soi, il y a des problèmes communautaires, mais je pense que notre chance, c'est surtout qu'on puisse créer des espaces multiculturels. Et d'ailleurs, Senghor l'a beaucoup écrit, le brassage culturel, donc l'interculturalité, je pense que c'est l'avenir même de l'humanité. Et pour finir, vous dire que vraiment, je tenais à être là, vous encourager, vous féliciter, et remercier également la mairie donc, de cette belle collaboration avec le corps consulaire, mais au-delà de ça aussi avec l'ensemble des services. Remercier le président et dire, pour finir avec ces mots-là, donc le Carole Fuentes qui disait que nous ne sommes venus au monde que pour se connaître, la terre nous est donnée pour un temps, vivons ensemble et vivons en paix. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le consul. Vraiment, vous voyez que c'est du partage, comme on disait tout à l'heure, des valeurs communes.